C'est mardi, donc évidemment, on le retrouve. C'est lui, avec nous, bah oui. France Bleu Nord, circuit bleu, côté culture. Ah, que c'est vous, Bob Garcia, pour nous parler des livres et des sorties qui ont un lien avec le Nord-Pas-de-Calais. Bonjour, Bob. Bonjour, Juliette. Bonjour à tous. Alors, on ne le sait pas forcément, mais le dessinateur et scénariste Tronchet, il est né dans notre région. Bah oui, pas qu'un peu. Il est né à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Il s'appelle pas Tronchet, d'ailleurs. C'est un pseudonyme. Hein. Ouais. C'est Didier Vasseur. Et donc, il sévit depuis les années 80. On lui doit des séries absolument emblématiques comme Raymond Calbut ou Jean-Claude Tergal. Vous avez lu ça, ces trucs-là, bien Juliette. Sûr, bien sûr. Bah oui, trop bien. Il a un talent énorme. Hein. Ah, mais moi, j'adore tout ce qu'il fait, ce gars-là. Il a publié, je sais pas, peut-être 90 BD et autres œuvres. Il est multi-récompensé. Puis à chaque fois, il trouve des idées géniales. Il y a pas si longtemps que ça, en septembre 2021, il a sorti un bouquin qui s'appelle Les Catastrophobes. C'est une BD de 60 petits sketchs d'une page. Catastrophobes, on pourrait dire, c'est les gens qui ont peur ou qui détestent les catastrophes et en l'occurrence la fin du monde. Alors c'est pas très rigolo a priori comme thème, mais pourtant il arrive à en faire un truc assez génial. C'est l'histoire d'un couple de citadins qui s'interrogent sur l'attitude à adopter pour sauver la planète et puis se sauver eux par la même occasion. Alors la dame préconise d'aller vivre à la campagne dans une quasi autarcie, si vous voulez. Bon, voilà, on produit que ce qui est nécessaire, etc. Et le monsieur dit, ok, d'accord. Mais alors, il ne faut pas que ce soit trop près, comme ça, on pourra y aller tous les week-ends. Ou alors, encore, le pire, ça serait vraiment qu'il n'y ait pas de connexion Wi-Fi. Enfin, voilà, on sent qu'il n'est vraiment pas tout à fait prêt, quoi. Ouais. Alors, c'est pas vraiment moraliste, mais la BD, elle met le lecteur en face de ses contradictions, de ses habitudes, et puis elle pose la question, en fait, qu'est-ce qu'on serait vraiment capable de faire au quotidien pour se donner une chance à l'humanité, à la planète, etc. Donc voilà, c'est pas moraliste, mais il arrive à faire rire et à faire surtout réfléchir avec un sujet qui quand même est assez sérieux. Comme le disait Bernard Werber, finalement, l'important c'est pas tellement de convaincre, mais c'est plutôt de donner à réfléchir. Et c'est ça qu'il fait à travers cette BD. Ouais, et avec de l'humour, bien évidemment. Ah, ouais, il a un petit côté humour noir aussi, notre ami Tronchet. Sûr, ça dérange, c'est vraiment dérangeant. Ça s'appelle donc Les Catastrophobes. Ouais. De Tronchet, c'est sorti en septembre 2021, évidemment chez Fluide Glacial. Faut pas passer à côté de cette BD, c'est génial. Merci beaucoup monsieur Bob Garcia, je vous souhaite une bonne semaine et on vous retrouvera avec plaisir mardi prochain sur France Bleu Nord. Ah, quelques yes. notes de musique.